Et hop, on prend son petit pince-nez aujourd'hui parce qu'on a du travail. Alors aujourd'hui, on a un travail très particulier pour l'apnée, une cohérence cardiaque de 5 minutes et bien entendu une salutation au soleil B. Soignez-la, celle-là, parce qu'elle va vous être très utile. Et ensuite, on va partir sur un enchaînement de push-ups, de tuck crunches et de gainage. Attention, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. On part sur le bloc push-up, 5, 10, 15, 20 push-ups en apnée. Ensuite, 5, 10, 15, 20 tuck crunches en apnée, suivi de 5, 10, 15, 20 gainage postérieur en apnée. Quand on a fait ça, on refait la série 4 fois. Ça fait, attention, 50, 200 pompes, 200 abdos et 200 gainage postérieur. Lorsque c'est terminé, on récupère et on passe sur le Air Squatch Challenge de Piratolu. Attention, celui-là, il va vous piquer. Alors, pour les pompes, c'est simple. Prenez votre pince-nez. Tant qu'à faire. On se prépare pour faire 5 pompes. On part sur 5 pompes. On est là. On prend son air et on part sur 5 pompes en apnée. Faites bien attention à faire des pompes très très propres. On n'est pas du tout sur la vitesse, on n'est pas sur la répétition, on est vraiment sur la qualité du geste. Donc jouez sur la qualité. Vous récupérez le temps qu'il vous faut, alors bon, prenez pas trop quand même, mais 15-20 secondes c'est jouable. Et ensuite, on part sur la série de 10. Vous récupérez, vous soufflez. Pensez à essayer d'avoir toujours le même mode de récupération, peut-être 15, 20, 30 secondes, mais vous restez vraiment là-dessus. Pour prendre votre air, vous avez vu, il n'y a pas besoin de se préparer trop longtemps. Il suffit simplement de souffler, d'inspirer et de partir. Ok, donc 5, 10, 15, 20. Quand vous avez fait les 20, vous récupérez, vous passez au tuck crunches. Je vous rappelle tuck crunches. Ce qui est important, donc là il faut que je vous parle, donc je ne vais pas mettre en apnée, c'est d'avoir les pieds bien verrouillés, les genoux qui se touchent pour ne pas jouer sur les hanches. Ok, on part dans cette position. Par contre, on garde bien les bras tendus et les omoplates viennent toucher au sol. C'est important. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors attention, vous en avez 5, 10, 15, puis 20 à faire en apnée. Vous récupérez quand vous voulez, comme vous voulez. Et ensuite, vous passez au gainage postérieur. Donc, 5, 10, 15, 20, push-up. 5, 10, 15, 20, tuck crunches. 5, 10, 15, 20, gainage postérieur. Pareil, en apnée, hein, bien entendu. Donc, je suis dans cette position. Je monte en verrouillant mes pointes de pied. Et ensuite, je me mets dans cette position. Je suis bien verrouillé. Je suis bien gainé. Et là, je vais venir faire toucher mes omoplates en envoyant les coudes sur l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous récupérez et ensuite vous enchaînez 10, 15 et 20. Ok? Quand c'est fait, vous refaites le circuit une deuxième fois,
puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Oui, je sais, c'est éprouvant. Mais attention, c'est rien à côté du Air Squat Challenge by Pirato Lou, et là vous allez comprendre. Pierre, mon pote, la forme. Bon, ça fait plusieurs semaines que tu me fais souffrir et que tu nous fais souffrir avec tes entraînements. Franchement, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai un petit défi pour toi et pour tout le monde. Alors, exercice tout simple. On part en apnée, on fait un squat, une expi, une inspi, deux squats en apnée, une expi, une inspi, trois squats en apnée, etc., etc. Et moi, je suis curieux de savoir jusqu'à combien ça va un champion du monde. À plus, mon pote. Alors, vous avez fait combien? Vous avez fait combien? Vous voulez savoir combien j'ai fait? Ben, rendez-vous ce soir à 18h30. Salut!